Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment montrer une égalité, notamment en utilisant les identités remarquables. Considérons l'exemple suivant. Montrer l'égalité suivante, qui est une des identités de Legendre. Soit a et b deux nombres réels, on a a plus b le tout au carré plus a moins b au carré est égal à deux facteurs de a carré plus b carré. Tu ne sais pas par où commencer? Ne t'inquiète pas, je vais d'abord t'expliciter la méthode à suivre face à ce style de consigne. Pour montrer qu'une égalité de la forme a de x égale b de x est vraie, plusieurs pistes s'offrent à toi. Tu peux partir de a de x, le transformer, c'est-à-dire le développer, le factoriser, le réduire, etc. et croiser les doigts pour retrouver après quelques étapes b de x, auquel cas tu auras bien montré l'égalité. Ou bien, tu peux partir de b de x, le transformer et obtenir, après quelques étapes, a de x. Il existe aussi d'autres méthodes. Tu peux envisager de calculer la différence a de x moins b de x, la transformer afin de trouver 0. Puisque si a de x moins b de x est égal à 0, alors a de x sera égal à b de x. Sinon, tu peux, comme dans le premier point, transformer a de x. Être bloqué et obtenir une expression c de x qui n'est pas b de x. Puis, tu transformes b de x et après quelques transformations, tu obtiens la même expression c de x. Ainsi, tu auras montré que a de x est égal à b de x puisqu'ils sont tous les deux égaux à l'expression c de x. Revenons à nos moutons. On souhaite montrer que l'égalité de Legendre suivante est vraie. Une idée? Partir du membre de gauche et développer en utilisant les identités remarquables et voir où ça nous mène. À gauche, on a a plus b le tout au carré. C'est a carré plus 2ab plus b carré. C'est la première identité remarquable. À gauche, on a a moins b le tout au carré. Si on développe, on obtient a carré moins 2ab plus b carré. C'est la seconde identité remarquable. Alors, si on somme les deux expressions, on a a carré plus a carré, 2a carré, plus 2ab moins 2ab, 0, plus b carré plus b carré plus 2b carré. Bref, le membre de gauche se résume à 2a carré plus 2b carré. Est-ce que c'est le membre de droite? Non, pas encore. Mais si on factorise par 2, il vient que a plus b le tout carré plus a moins b le tout carré est égal à 2 facteurs de a carré plus b carré. On vient bien de montrer que l'égalité est vraie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.